Salutations ultimes YouTube, aujourd'hui nous allons parler d'un jeu, d'un nouveau jeu, Mark McNorris Infinite Hair. Alors, ce jeu, pour vous dire la vérité, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, Tikem est connecté, c'est cool, je suis connecté, je suis content. Donc comme vous pouvez le voir derrière, ça va être un jeu de snowboard, hein, vu la tête du mec. On s'en doute un petit peu, alors le snowboard, je pense que tout le monde connaît, hein, à part moi, parce que je suis un gros blaireau. Dans l'absolu, je pense qu'il faut que je passe par là. Hop là, non, peut-être pas, je ne sais pas. Ok. Dans l'absolu, voilà, donc c'est très blanc, c'est des graphismes pas spécialement moches, mais je dirais pas forcément super évolués. La bande son est pas mauvaise, dans le sens où on a quand même droit à de la musique assez sympathique, hein, même si bon, c'est très sportif, on va dire. Après, ça va avec le jeu, hein. Dans l'absolu, hop là, on va essayer de faire des figures. Donc le but de ce jeu, c'est de descendre des pistes et de faire des figures. Je joue à la manette, hein, parce que ça m'a été recommandé comme tel. Je ne suis pas un spécialiste du snow. Je pense qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient beaucoup plus spécialistes que moi dans le snow. Mais bon, au moins je connais les jeux vidéo et je peux voir est-ce que c'est rigolo ou pas de jouer à ce jeu. Donc pour analyser, comme je vous ai dit, les graphismes, je les trouve pas moches, mais pas spécialement jolis. On a des effets de neige qui me semblent plus ou moins réalistes, on va dire ça comme ça. Maintenant, faire des figures, pourtant je joue à la manette, hein. J'arrive à faire 2-3 trucs, j'arrive à faire des points, comme vous voyez, hein. Mais c'est pas vraiment facile. Alors je sais pas si ça vient de mon stick ou si ça vient du jeu, mais honnêtement, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à jouer à ce jeu. Pas qu'il a l'air relativement fun, mais je suis vraiment pas le public cible de ce jeu. Donc je peux vous donner un avis technique, dans ce cas-là, effectivement, c'est que ça se joue bien. De toute façon, ça a été pensé pour console, hein. Donc si vous n'avez pas de manette, à mon avis, vous pouvez d'ores et déjà oublier ce jeu. Maintenant, à côté de ça, voilà, quoi, je veux dire, n'y connaissant rien, je peux pas me permettre de juger l'adaptation. Je veux dire, ça aurait été un jeu de voiture, ça aurait été un jeu de moto, pourquoi pas. Mais un jeu de snowboard, je dois bien avouer que c'est vraiment, vraiment pas mon truc. Malgré ça, je peux quand même vous dire que ma foi, il a l'air relativement réaliste. Les sensations qu'on a sont relativement bonnes. Après, je comprends pas pourquoi il y a des moments, ma, entre guillemets, snowboardeuse fait un peu ce qu'elle veut. Je vous avouerai que là, j'aimerais bien remonter. Ouais, super musique, mais je fais du sur place. J'espère que j'aurai pas un copyright YouTube par rapport à ça d'ailleurs. Bon, on va arrêter le carnage, on va passer au tutoriel, hein, tout simplement. Et on va vous montrer qu'on peut faire des listes de figures assez intéressantes. Alors pour ceux qui connaissent, forcément ça doit leur parler, hein, le Nosepress, le Tailpress, etc., etc. Moi, comme je vous ai dit, j'y connais rien. Donc je vais tout simplement essayer de faire ça. Hop, j'aimerais bien tester le tutoriel. Non, je ne peux pas tester le tutoriel. Ok, bon, bah écoutez, on va bien voir. C'est que des... Let's talk about all. Ah voilà, il me semblait bien qu'il y avait des tutos aussi. This is simply cracking off the tail of your snowboard, getting air on a flat surface. You do this before any feature. Pull down on the right stick and flick up. Now, let's talk about the nollie. It's jumping off of the nose of your snowboard. You press up on the right stick and flick down. Ok, bon bah écoutez, on va essayer de faire ça, hein. Donc a priori, si je fais ça, je saute. Ouais, bon bah c'est cool. Moi j'aurais préféré qu'il y ait limite que des pistes comme ça où on m'apprend, parce que limite à faire du snowboard, pourquoi pas, hein. Je veux dire, c'est pas parce que je suis pas un fan de ce genre de choses que j'aimerais pas apprendre. Sauf que, bah ouais, réessaye, réessaye, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais. Alors on va faire ça. Ouais, j'ai sauté, non, c'est pas bon. Hop, hop. Je sais pas, je fais mes petits sauts, je fais exactement ce qu'ils me disent, mais à première vue, ça n'a pas un grand effet. Ah bah là, ça a marché. Bon, bah écoutez, je ne sais pas pourquoi. Hein, est-ce qu'on peut dire que c'est un défaut du jeu ou pas? Je ne sais pas. Et donc, vous avez des tutos comme ça, à foison.
Let's talk about où it. On va vous expliquer comment faire. Holding the right stick to the right is going to cause you to do a backflip. Ça, je vais pas réussir à faire ça. To the left, well, you're going to go up and over into a front flip. Make sure you release before you take off the lip. This will get you upside down. J'ai pas pris assez de vitesse et c'est foiré. Bon, on va pouvoir commencer directement. Donc on prend de la vitesse, ok. Jusque là, je viens de comprendre. Et après c'est LT et RT, ouais, si je rate le machin ça va pas le faire. Ok, donc là je touche pas à mon stick mais ça bouge tout seul, ok. On va essayer de... voilà. Ok, ça a foiré donc j'ai recommencé, hein, normal. Bref, bah en même temps voilà je vous montre du gameplay parce que bah, je me sens pas capable pour une fois de tester... Oh la gamelle, oh je me suis pas gamelé, je sais pas comment j'ai fait. Je me sens pas vraiment capable de vous... comment j'ai fait pour changer la vue là? Parce que ça me fait chier d'avoir cette vue là. D'accord, c'était ce bouton là. Ok, bon, on va recommencer du coup. Je me sens pas capable de véritablement tester le jeu parce que j'y connais rien en snow. Moi maintenant, l'éditeur du jeu a voulu à tout prix que... attention les doigts! Que je teste le jeu, ma foi, j'essaye. Let's be optimistic here. You tried really hard. It just wasn't good. Ouais, c'est Rayliard, RT, ouais, non, mais moi je vais bien essayer, hein, mais ça a l'air un peu compliqué quand même, ton truc, t'es gentil, mais moi j'y connais rien en snow, bordel. Là j'essaie d'accélérer, je pense que vraiment, il y a d'autres gens qui auraient été bien meilleurs que moi pour tester ce jeu. Maintenant voilà, on m'a demandé de vous le présenter, je vous le présente, hein, y a pas de souci. Comme je vous ai dit, déjà au point de vue graphisme et... non, ça marche pas. Non, t'as pas voulu faire ton truc. Avec clato les mains. Comment ça, t'as pas éclaté les mains? Oh. Ça va, ça aurait pu. Hein. Bon. Abandonner le run. Voilà, on va essayer autre chose de plus. Un flip peut-être. Plus facile. When approaching a feature, RTLT. Il faut appuyer sur les trois en fait. Holding the right stick up will cause you to do a frontward trigger. On va appuyer sur les trois. Holding the right stick down. Voilà. Si on loupe le tremplin, ça va pas le faire. Ouais, mais moi quand j'appuie sur le stick en avant, tu fais un truc bizarre, mec. Il veut pas au bon endroit. Donc, ouais, voilà. Hein. On va essayer. Je suis censé aller au bon endroit. Là, je suis censé tourner. Non, 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 bon, d'accord. On recommence. Alors, je sais pas si c'est mon stick qui fait que. Mais non, non, c'est pas possible. Je vous avouerai que je n'arrive rien à faire sur ce jeu, quoi. C'est malheureux à dire, mais... ouais, non, hein, c'est ridicule. Je pense, au moins, ça a l'air réaliste, hein, parce que je pense que c'est à peu près ce que je ferais sur un vrai snow. Hein. Ça, je dois vous avouer que c'est vraiment pas ce que je sais faire le mieux. Hein. Vu là d'où je viens, c'est pas vraiment le sport national, comme il dirait l'autre. Merde, je me suis trompé de bouton, j'ai recommencé. Oh merde, moi qui étais bien parti. Et j'ai encore raté le tremplin. Non, essaye de prendre le tremplin, allez. Allez, au moins un quand même, que j'arriverai à faire dans cette vidéo. Hop là, je sais pas comment j'ai fait. Mais c'était pas ce qu'il fallait faire. On recommence à accélérer. Et j'ai loupé le tremplin. Ouais. Je suis vraiment mauvais, vous pouvez le dire dans les commentaires. Ah, peut-être qu'un jour j'aurai assez de thunes pour... ouais, d'accord. Pour me payer des cours de ski, mais ou de snow d'ailleurs. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est plus ridicule qu'autre chose. Ouais, là j'arrive à tourner, mais... Wouhou! Non? Non, bon, d'accord. Alors moi je regrette un truc, honnêtement, c'est qu'il n'y ait tout simplement pas des courses. Voilà, moi on m'aurait donné des courses, j'aurais été content, on va dire. J'y connais rien en snow, mais au moins j'aurais essayé de faire quelque chose, quoi. On va essayer des circuits alors du coup. Hop. Voir ce qu'il faut faire. Obtiens un score de 2200, remporte 1000 points sans interrompre ta série. Ok, bah écoute, on va essayer, hein. Et voilà, le truc c'est que c'est pas des courses, c'est que de l'artistique. Ok, je peux déjà redémarrer. Donc c'est que de l'artistique et moi c'est vrai que je n'y connais en rien en snow et en artistique, encore pire en snow artistique. Je vais manger l'arbre là par contre, je vais pour rien y connaître, je pense que l'arbre
Ah bah non, à première vue, je me suis pas mangé l'arbre. Comment je sors de là? Allez, allez, sors de là. Non, tu veux pas? Alors j'ai vu qu'il y avait une option pour rembobiner, non? Non, c'est pas possible. Je peux pas rembobiner là? Pas dans ce mode de jeu à première vue. Ok, ça c'est différentes vues, ok, mais bon, bah on va recommencer du coup. Ah mais quand je disais que j'y connaissais rien, je blaguais pas, hein. Vous pouvez râler, je vous vois déjà vous marrer, mais là... c'est moi où j'ai repris exactement le même chemin et je vais me bouffer l'arbre. Bon, moi je me suis bouffé l'arbre. Hein. Au moins c'est sans appel quoi. Bon, je crois qu'on va éviter le tremplin. Hein. Le tremplin c'est une mauvaise idée, j'ai pas le niveau. Ou alors faudrait que je le prenne un peu plus par là peut-être. D'accord, on va recommencer encore une fois. On va essayer d'aller un peu plus de l'autre côté. Est-ce que si je prenais un mec ça irait mieux? Non, parce que moi il m'a manie de prendre des nénettes. Hein. Ouais, j'ai fait un truc. J'ai fait des points, me demandez pas comment. Ouais, oh putain. C'est parti. Est-ce que c'est par là qu'il faut aller au moins? Là, petit demi-tour. Écoute, on va essayer de prendre de la vitesse, mais là, je suis pratiquement à l'arrêt là, hein, donc je suis pas sûr que j'arrive à faire un joli truc avec mon snow là. On va essayer de reprendre de la vitesse pour essayer d'y aller, mais... Ah, peut-être que comme ça, on va peut-être mieux y arriver. Allez, on va essayer. Allez, avance, avance. Mais bordel, avance. Espèce de connasse. Bon, ok, alors... Donc j'en ai fait qu'un, hein. Plaquer un Blackside, ouais, ouais, non, mais c'est bien. Moi, tu me parles chinois, là, en me disant ça. On va essayer de retourner au menu, abandonner le run. Félicitations, équipement déverrouillé. Bah oui, félicitations à moi, hein. Je suis un dieu, Voilà. Alors on peut paramétrer son personnage. Alors c'était comment que j'avais paramétré mon personnage? Bon, ça c'est le gameplay, on s'en fout. On s'en fout aussi. Ça devait pas être là-dedans. Choisir rider, voilà. Alors j'en ai qui sont bloqués. On peut personnaliser son personnage, mais finalement ça c'est un peu anecdotique parce que ce soit un mec ou une fille, honnêtement, ouais, la différence elle est pas énorme quoi. Il y a peut-être des différences de stats, je sais pas. On va reprendre Mark Norris, hein, après tout c'est le créateur du jeu. Je suppose que c'est du coup le retour avance. Ok, moi je vais pas... Voilà. Donc ça c'est le créateur du jeu, enfin celui qui a donné son nom au jeu. Donc on va essayer de voir si j'arrive à mieux me démerder avec lui, hein, déjà. Ouais, non, c'est encore pire qu'avec la gonzesse quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas voir? Ouais, j'ai fait des sauts, ouais. Alors voilà, bon, moi ça va se limiter à ça. Je peux vous avouer que c'est pas un jeu auquel je vais jouer longtemps. Parce que bah, j'y arrive pas, tout simplement. Et puis c'est pas un jeu qui me tente plus que ça. J'ai jamais été fan de skateboard et encore moins de snow. Donc, ok. Quelque part, ça peut être intéressant peut-être d'apprendre. Là, j'ai l'impression qu'il y a une bonne vitesse là quand même. Ça va un peu trop vite! Ouh, je suis là en haut de la montagne. Bon, et maintenant je fais quoi? Moi, je pense que là, on va arrêter le massacre là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous m'avez vu assez souffrir. Voilà, enlève les lunettes. On va aller boire un coup de vin chaud. Hein. Je crois que c'est le mieux de toute façon. Voilà. Donc, bah écoutez, même si cette vidéo aura pas été super informative pour vous, au moins je vous aurais peut-être fait découvrir un jeu. Je peux même pas vous le conseiller ou vous le déconseiller parce que bah, dans l'absolu j'y ai pas assez compris grand chose et je suis pas du tout un fan de snowboard. Donc je pense quand même que j'ai réussi à me débloquer, c'est un miracle. Je pense que ouais, c'est un jeu quand même qui à mon avis est fait pour les snowboarders, pour les gens qui s'y connaissent en snowboard, parce que honnêtement moi qui y connais pas grand chose et avec une manette qui déconne à moitié à première vue, bah voilà, j'arrive à faire des petits points, j'arrive à faire des trucs, mais j'y comprends pas grand chose quoi. Faut avouer ce qui est. Je sais pas ce qui est. Allez, sur cette blague de mauvais goût, je vous dis à la prochaine en espérant que ça sera un jeu que je maîtriserai un petit peu plus. Bye bye, petit ami YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye.